Bonjour M. Bonjour. Merci pour votre incitation. Ben, merci d'être venu aussi pour euh, visiter notre, euh, notre monde. <laughs> Sacré univers. Donc on est au musée des miniatures. Et du cinéma, attention. Musée, ça ça, ça s'appelle musée miniature et cinéma à Lyon. Les deux expressions, l'art des scènes miniatures et l'art du cinéma, pour moi, ce sont deux arts immersifs. Qui permettent de créer des visions, euh, qui, qui permettent de créer des mirages visuels, on va dire. Le cinéma, tout comme l'art de la miniature, c'est de l'évocation avec la matière. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas Alors, bon, euh, je m'appelle Dan Holman, je suis à la base, bon, j'étais euh, sculpteur ébéniste autrefois, dans une, une autre époque. <laughs> Après euh, m'ennuyant un petit peu à ne pas pouvoir faire les, les meubles les plus splendides du monde comme j'aurais aimé les faire faute de clientèle hein, et de demande, euh, je me suis mis dans le décor de théâtre. Et dans le décor de théâtre, j'ai appris à manier les stucs, les résines, les imitations. J'ai bien aimé le côté le faux semblant, vous voyez, le trompe-l'œil. C'est quelque chose qui a commencé à me passionner. J'étais toujours aussi de mon, depuis mon enfance passionné de maquettes. Et me voici donc en train d'adorer, euh, les premières maquettes que j'ai fait pour les metteurs en scène. Vous savez, pour, pour faire voir comment va être une scène de théâtre, on fait une maquette préparatoire. Et ça y est, le virus s'est né. Je suis devenu miniaturiste et à la fois restaurateur d'objets de cinéma. Voilà, voilà, à l'heure actuelle où j'en suis, après ce passé d'ébéniste et de décorateur de théâtre. J'ai fait aussi, quand j'étais ébéniste, j'ai fait aussi euh, 10 ans, 15 ans de, on va dire, d'architecte d'intérieur. D'accord, un parcours assez atypique. Euh, Parlez-nous de votre l'origine du musée euh, à Lyon. Pourquoi ce musée bah Écoutez, c'est simple. Enfin, c'est simple. Ça a été un peu. Un peu alambiqué quand même, il hein, y a eu des circonvolutions pour en arriver à ce musée. Mais euh, imaginez, je, je me passionne de l'aspect formidable des maquettes. Pour moi, c'était un véritable 3D. On est en 2000, on, non, on est en 1987. Il y a le premier 3D qui apparaît à la télé. Je me rappelle sur TF1, il y avait, on voyait Cluny en 3D. C'était pas très beau à voir, mais c'était le premier 3D qui surprenait. Et moi, en 85, je faisais mon 3D en miniature. Donc euh, le, le chemin s'est vite fait comme ça. J'ai voulu faire du, de la miniature. Après, j'ai fait des lieux qui me plaisent en miniature. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ben, il m'est arrivé que la clientèle, elle est assez rare dans ce sens que, imaginez, il faut toujours six mois pour faire une miniature. Imaginez que j'aille chez vous en tant qu'artisan, j'y reste huit heures par jour, six mois de temps, et je vous dis, euh, je pose où la facture <laughs> Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un travail fou. Pour faire, une, pour faire une miniature, euh, à, à regarder mes propres scènes, c'est un travail fou et il y a que des gens très riches qui pouvaient acheter. Je me dis c'est pas possible. J'ai commencé à fonder ma propre exposition, mon propre musée pour faire voir mes miniatures et celles de confrères que je trouvais formidables et parce que pour vivre, parce que euh, voilà des gens on va dire entre guillemets milliardaires, on en trouve qu'une fois tous les tous les quatre ans. À un moment donné, passionné de miniatures, j'ai ben, j'ai eu le culot il y a des époques où il, où il faut avoir du culot on n'a rien à perdre finalement et tout à gagner en 1988 j'ai dit je vais à ILM à San Francisco là où ils ont fait Star Wars et tout ça je suis allé voir les maquettistes j'ai été très très bien reçu par Steve Golley, Mars y compris serrer la louche à George Lucas et à partir de là ben j'ai commencé à me passionner de des, des maquettes de cinéma j'ai associé mon métier d'ébéniste, restaurateur de meubles, qualité aussi des stucs, des résines, des silicones, tout ça, j'ai associé aussi ça au cinéma et je me suis retrouvé à aussi associer à mes miniatures tout le cinéma. Et c'est pour ça qu'ici, ça s'appelle miniature et cinéma. C'est un peu alambiqué, je le reconnais. Hein, ça fait un peu, un peu euh, charcutier-plombier. Pour ceux qui n'ont pas réfléchi euh, <laughs> à la relation entre les deux. Mais c'est vrai, je m'en fous un petit peu. C'est un peu l'antre de, de ce qui me passionne. Et puis, ça va bien. Est-ce que vous avez des, des conseils pour ceux et celles, enfin, notamment même la nouvelle génération qui veulent se lancer, euh, bah, comme vous, dans la restauration, dans l'artisanat, euh, tout ça ah bah, moi, vous savez, euh, euh, on va sortir les Kleenex, on est d'accord. Je, <laughs> je, suis, je suis parent d'une famille très, très peu aisée qui vivait dans les HLM. Mais, euh, étant gamin, j'avais des rêves. Je pense que dans la vie, il faut pas avoir peur de réaliser ses rêves. Attention, sinon, on pourrait être malheureux à se retrouver à réaliser les rêves des autres. Hein C'est un choix qu'il faut faire. Il, il faut comprendre. Euh, on a envie d'une chose. Il faut foncer complètement. Euh, comment vous dire Il faut. Euh, moi, je crois. Je crois. Je crois beaucoup à ce qu'on appelle la chance. Vous savez, dans la vie, on dit il faut 90 de travail, 10 de chance. Et peut-être il y en a qui mettent un petit côté euh, la chance avec la pensée magique, un peu. Voyez, c'est incroyable ce qui lui est arrivé. Peut-être un petit peu. Ça, je ne sais pas. Je, je pense que toute personne se retrouve à, à prier Dieu quand il a un moment euh, d'embêtement profond <laughs> on dit Dieu j'y crois pas mais je m'en méfie <laughs> bon la chance peut-être c'est un côté un peu magique je sais pas mais il y a aussi quand même que la chance c'est 10% c'est ce qu'on va rencontrer sur sa route et sa route tout ce qu'on va rencontrer ben, on, on, on est là pour, on, on, on l'a créé les relations de cause à effet on, on en est aussi responsable et, et je crois que j'ai eu de la chance dans la vie, parce que aussi, tout simplement, je me suis fait repérer Pierre Gardin, m'a amusé parce qu'il me, il me dit euh, "Écoutez, je vous ai aidé parce qu'il y a tellement de feignants sur la planète qu'il y a vraiment de la place pour ceux qui travaillent. Croyez-le." Et euh, je lui dis "Oui, mais euh, moi." Il dit "Ben vous, parce que on sent que vous avez réuni." Euh, il m'a dit "Il y a tellement de gens qui disent oui, je veux faire ça. Puis au fond, il y a un nom vous savez, il faut être entier, il me dit. On dit, oui, je rêve de ça, puis il y a le non, oh, mais non, j'en suis peut-être pas capable. Euh, oui, j'aime ça, oui, mais non, c'est pas pour moi. Eh ben, non, il y a un moment donné, il faut être entier. Il me dit, je sens que vous êtes entier, ça s'appelle, il me dit, devenir magnétique. Et devenir magnétique, vous êtes repéré. Vous êtes, vous serez repéré par des gens qui veulent vos œuvres. Vous serez repéré par des gens qui, comme moi, sont arrivés à quelque chose de puissant et, et qui ont cœur à prendre un peu de temps pour des gens comme vous. Croyez-le. Et c'est vrai, je l'ai rencontré tout au long de ma vie. Je, je me promène, je sers la louche à Michel Drucker, bon, il me prend à Champs-Élysées, mais c'est un peu parce que on se fait repérer comme étant quelqu'un qui est habité de quelque chose. Et ça, c'est très important. Je le dis aujourd'hui, j'aime bien le dire, parce que j'ai des élèves et tout, je leur dis, mettez 90% de travail. Tout ce qui est en vous, visualisez les choses, couchez-vous avec passion en disant ⁇ demain matin j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ⁇ et vous verrez, quand vous serez bien habité, peut-être même un peu, un peu exténué, un peu fatigué, parce que c'est un peu la fatigue qui fait que c'est bien fait. Voilà, c'est de la bonne fatigue. Quand vous serez un peu exténué, eh bien, il y a le... on va frapper à votre porte, vous serez étonné. Ben, c'est simplement que vous avez été repéré comme étant intense. Et il y a des gens, dans le cinéma, c'est pareil. Dans le cinéma, les, les, les cinéastes ou les euh, chefs de plateau, les, les chefs d'écho, ils cherchent des gens comme ça. Ils cherchent des gens qui ne sont pas très neugrouls, qui vont ouvrir leur portable à tout moment. pour. Ils cherchent des gens qui sont passionnés. Et là, vous allez être embarqué. Peut-être pour peindre des fonds verts pendant une semaine, mais ils ont besoin de vous. Mais ils seront pensés à vous. Ils vont vous renvoyer l'ascenseur après. Vous allez vous retrouver en Namibie en train de poser des maquettes en plein milieu du désert pour un tournage. C'est comme ça que ça se passe. Moi, les chefs de plateau que je connais bien, oui. ils me parlent comme ça. Ils font très attention de ne pas avoir des feignants devant eux, mais tous les autres, ils les embarquent et ils vont très loin. Sachez que dans le cinéma. Tous ceux qui ont fait maquettistes, décorateurs, costumiers, euh, animatroniques, tous ceux qui ont fait tout ça, c'est des gens qui ont commencé euh, comme des bidouilleurs pa passionnés. Mais quand il euh, quand y a une maquette qui va pas, le gars il dit bouge pas, je m'en occupe, et il dit mais il est bon celui-là. Et c'est comme ça que ça marche. Je les ai tous vu fait comme ça. Ils sont aujourd'hui chefs déco, Hein, pour Wes Anderson, ils ont, ils travaillent aujourd'hui pour euh, Spielberg. Ils travaillent. Moi, je les connais et ils me racontent qu'ils ont commencé comme ça. Il faut se donner à fond. Bon, C'est un peu ce que j'ai fait dans le musée. J'ai dit, j'ai envie de, de foncer comme un, comme un fou et un passionné, et ça se sent. Vous voyez, euh, Jean-Pierre Genet passe par là, euh, ouais. il demande à me rencontrer, je me retrouve à restaurer plein d'objets. Il y a une exposition qui est fantastique de Jean-Pierre Genet en ce moment à Paris, à la Halle. C'est for formidable exposition de Jean-Pierre Genet. J'ai restauré plein d'objets pour lui, on est devenu une super pote. Mais il faut. Bah là, 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 il faut y aller, hein. là, il faut y aller. Ça vient d'ouvrir, là. On, on était euh, avant-hier soir à l'inauguration. C'est fantastique. Ouais. 300 objets mythiques. Ouais. Bref. Parenthèse, mais voilà, c'est des personnes comme ça qui voient et qui peuvent avoir confiance. Exactement. Et c'est vrai que j'engage toute personne à bien y croire, euh, avoir de l'ambition. Vous savez, en France, on dit euh, oui. oh, ambition, c'est pas beau, ou oh, méchant, pas beau. On peut avoir de l'ambition sans jamais faire du mal à quelqu'un. Est-ce que vous avez un, un dernier mot pour nos internautes Un mot de la fin Ah ben le mot de la fin, euh, déjà, euh, moi, étant donné que je ne fonctionne pas en lié à la vie politique, à tout ce qui est tracas et machin de tout ça. Je suis complètement indépendant, artiste indépendant, avec mon, mon musée de scènes miniatures et de cinéma. Alors je vais vous faire rire, mais la première chose que je dirais, venez nous voir parce que vous soutenez une équipe de 13 personnes passionnées. On va dire une petite PME, hein, faut le soutenir mieux que le fait l'État. Et euh, en venant nous voir, eh ben ça maintient cette passion. La passion, c'est restaurer des objets de cinéma, parce que finalement, c'est de la... C'est de la conservation du patrimoine. Tous ces objets, ils tombent en, en catastrophe si on ne les entretient pas. Donc venir nous voir, c'est entretenir ça. C'est aussi euh, soutenir une école, où il y a chez moi une école de, de design, de sculpture, de moulage et tout ça. Et euh, ce que j'ai à dire aux, aux internautes aussi, c'est que le cinéma est une très belle chose. C'est une usine à rêve. Euh, il faut l'aimer. Et souvent, je dis une chose aussi, chaque fois je, je le répète à la journée du patrimoine, je le dis sans arrêt. Allez au cinéma. Un petit peu arrêter de télécharger tout ça. Comprenez que c'est une famille, le cinéma qui vit. Allez voir la toile au Cinoche. C'est bon au Cinoche aussi. Hein. C'est climatisé, c'est géant. C'est so souvent mieux que quand même sur un iPad. Hein. Donc, pensez, pensez à, à soutenir le cinéma. Allez au cinéma. Voilà, ouais, c'est ce que je dis oui. aux internautes. Bien. Ah, parfait, M. Mola Et très vite, à bientôt alors. Eh ben, au plaisir. Je suis là, je bouge pas. <laughs> Merci hein. Merci à vous.